Bonjour, je vais vous donner une astuce pour retrouver la dureté d'un sort quand celui-ci n'est plus repéré. Cette astuce est très simple, il suffit de compter le nombre de spires du ressort. Il faut juste utiliser des ressorts de la même marque, de la même longueur et de même diamètre. Le comptage des spires s'effectue en partant du début du ressort et en allant en ligne droite . Là, on est à 8 spires, mais comme on le voit, la fin du ressort est un peu décalée. Du coup, ce ressort est un ressort 8 spires 1 quart. En général, les valeurs sont 0, 1 quart, 1 demi, 3 quarts. Ce ressort sera donc plus dur qu'un ressort 8 spires 1 demi ou 3 quarts ou 9 spires. Mais il est plus souple qu'un ressort 8 spires ou 7 spires 3 quarts. Le ressort de droite, lui, fait 9 spires complètes. Du coup, le ressort de gauche est plus dur que le ressort de droite. Avec cette astuce, vous pouvez comparer le nombre de spires avec les ressorts que vous possédez ou comparer avec les ressorts d'un pilote qui aurait le même châssis que vous et ainsi identifier la dureté du ressort. Et si vous avez besoin de repérer des ressorts, le plus simple est d'utiliser des Scooby-Doo. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres techniques pour identifier la dureté d'un ressort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.